Pour vous dire autre chose que ce que je dis habituellement quand je parle de la chute, j'ai proposé à nos présidents de parler de diagnostics un peu plus rares, mais pour autant, j'ai pas voulu vous raconter des histoires de chasse. On a tous des histoires de chasse à raconter avec des diagnostics tout à fait improbables, dont on n'est même pas certain qu'ils existent réellement et que certainement, en tout cas, on ne reverra pas par la suite. Alors je vais vous présenter trois cas cliniques qui amènent à des diagnostics qui ne sont pas habituellement rencontrés, mais que certainement vous pouvez rencontrer dans le cadre de votre activité autour des patients âgés chuteurs, et que, en réalité, j'ai rencontré plusieurs fois. Alors, la première histoire, c'est l'histoire de M. A, qui est prêtre. Il est âgé de 78 ans, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 48 ans. Je vous assure qu'il est gériatre. Une erreur, hein, mais... Je vous promets qu'il est gériatre. Hein. Il est âgé de 78 ans, et il consulte pour une sensation d'instabilité en position debout. Il est particulièrement gêné pendant les offices, vous vous en doutez, ou lorsqu'il se trouve dans une file d'attente. Dans ces moments, il décrit une contracture des cuisses, une sensation de tremblement des membres inférieurs, et il a l'impression d'une grande instabilité qui pourrait aller jusqu'à la chute. Afin d'éviter celle-ci, il a le besoin de marcher, donc il se met à marcher, et la symptomatologie d'instabilité et de tremblement s'amende alors immédiatement. Il n'a aucun antécédent médico-chirurgical et ne prend pas de traitement. Alors c'est sûr que là, c'est pas iatrogène au moins. Il ne fume pas et il prend un verre de vin au moment des repas. Son examen neurologique est normal. Alors, ce tremblement, est-il un tremblement parkinsonien, physiologique, essentiel, cérébelleux? S'agit-il d'une hystérie ou bien un autre diagnostic? Alors, je ne vais pas attendre la réponse, mais je vous laisse y réfléchir 2 secondes. Il s'agit d'un autre diagnostic, et c'est très certainement un tremblement orthostatique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tremblement orthostatique? Peut-être ne le connaissez-vous pas tous. C'est une entité relativement rare, qui peut atteindre les deux sexes, plus souvent les femmes d'ailleurs que les hommes, et contrairement au tremblement essentiel, il n'a pas de caractère familial. Il apparaît en général assez tard dans la vie, vers 50, 60, mais il peut apparaître encore plus tardivement. Et il a comme caractéristique essentielle de n'être présent qu'en position debout, et il disparaît à la marche. Les patients d'ailleurs décrivent souvent plutôt une sensation d'instabilité que véritablement de tremblement. Le tremblement touche les deux membres inférieurs, mais il peut aussi, plus rarement, toucher les membres supérieurs, le cou, la mâchoire, voire les muscles paravertébraux. Et il est possible aussi, au cours de l'évolution, que le tremblement, au départ limité aux membres inférieurs, s'étende aux membres supérieurs. Les sujets atteints peuvent éviter et redouter les situations où on est debout de manière prolongée, comme les files d'attente, l'ascenseur, et du coup, il peut y avoir un retentissement sur la vie quotidienne et sur la qualité de vie. Les chutes, en revanche, sont assez rares. Donc les gens ont l'impression, une sensation d'instabilité, la crainte de tomber, mais finalement, ils tombent relativement peu souvent. L'examen neurologique est normal en dehors du tremblement, comme chez notre patient. Et dans la plupart des cas, aucune étiologie spécifique n'est mise en évidence. C'est donc un tremblement orthostatique isolé qu'on dit primaire en l'absence de diagnostic connu. Plus rarement, le tremblement orthostatique peut être associé à une autre maladie neurologique, et en particulier une maladie de Parkinson. Donc il est important de chercher des signes de la lignée parkinsonienne. Ce tremblement peut aussi quelquefois être associé à un syndrome des jambes sans repos. Et dans ce cas où le tremblement orthostatique n'est pas isolé, on parle de tremblement orthostatique plus. La physiopathologie du tremblement orthostatique n'est pas en fait élucidée. Comment donc on a une suspicion clinique? Comment confirme-t-on le diagnostic? Oui, sur la clinique, je voulais aussi ajouter que quand on met les gens en position debout, on ne voit pas nécessairement le tremblement. Par contre, on le perçoit assez bien quand on met les mains sur les membres inférieurs.
Comment confirme-t-on le diagnostic? Bien, de façon très simple, par l'électromyogramme. L'électromyogramme va effectivement retrouver en orthostatisme un tremblement qui n'existe donc pas au repos et qui est pathognomonique lorsqu'il est bilatéral, symétrique et quand sa fréquence se situe entre 12 et 18 Hz. Typiquement, la fréquence de ce tremblement est donc rapide à 16 Hz. Et vous voyez que c'est une fréquence de tremblement qui est différente des autres tremblements essentiels physiologiques ou parkinsoniens. Ah si, ça passe mieux que sur mon écran. Alors vous voyez ici l'enregistrement pour le patient en décubitus, mais vous n'avez pas d'activité musculaire observée. Et puis quand vous le mettez en position debout, eh bien vous avez ces secousses musculaires bilatérales, symétriques, avec un rythme parfaitement régulier de 16 Hz, et c'est un tremblement orthostatique. De quel traitement dispose-t-on ? Bien, on dispose en fait de peu de choses. Le traitement de première intention habituellement, c'est le Rivotril, qu'on va introduire à petite dose et augmenter progressivement pour essayer d'avoir une réponse. Lorsque le Rivotril ne marche pas, ou éventuellement lorsqu'il ne marche plus, parce qu'au bout d'un temps, les traitements médicamenteux ont tendance à perdre de leur efficacité sur le tremblement, on peut proposer la gabapentine, le neurontin, qui a aussi montré une certaine efficacité. Mais quand je dis montrer une certaine efficacité, ce n'est pas dans des belles études. Hein, on n'a aucune belle étude randomisée qui aurait montré l'efficacité de ces différents traitements, mais on sait qu'ils peuvent être efficaces. Dans le domaine de la recherche, actuellement, il y a quelques travaux de recherche pour étudier, évaluer la stimulation cérébrale profonde dans cette indication, mais on n'a pas de résultats aujourd'hui probants de ces études. Donc voilà le premier diagnostic dont je voulais vous parler. Je ne sais pas qui connaissait le tremblement orthostatique. Bon, alors très bien, j'ai bien fait de vous en parler. C'est une entité réellement que vous pouvez rencontrer et qui n'est pas difficile de diagnostiquer si on y pense. Et la confirmation est simple, c'est par un électromyogramme de repos et d'activité. Deuxième petit cas clinique, c'est un homme de 73 ans. Cette fois, je ne me suis pas trompé sur l'âge. C'est sûr, là ? Oui, oui. Il est retraité de l'industrie textile. Il vient me voir en consultation de la chute parce qu'il est tombé deux fois en 7 ans. Et ces chutes ont été traumatiques à chaque fois. Il s'est cassé le fémur gauche avec une nécessité d'une prothèse totale de hanche en 1997, et un peu plus récemment, une fracture supracondylienne fémorale droite traitée par ostéosynthèse. Alors, il a de nombreux antécédents que je ne vais pas vous lire dans le détail, et puis aussi, du coup, un traitement qui est aussi relativement lourd. J'ai simplement remis en jaune ici deux éléments, la fracture vertébrale de T9, l'ostéoporose qui a été confirmée par une ostéodensitométrie, et puis la fracture supracondylienne fémorale droite. Et je vous donne également sa biologie qu'on a réalisée. Et là non plus, je ne vais pas vous la détailler, mais simplement pour vous souligner quelques anomalies. Un taux d'hémoglobine bas, une anémie, vous voyez plutôt microcytaire. Un fer sérique bas, et surtout une ferritine basse. Et puis le reste du bilan réalisé est subnormal, sauf peut-être un discret syndrome inflammatoire avec une CRP à 13 mg par litre. Alors, dans cette consultation multidisciplinaire de la chute, on va vers l'identification des facteurs de risque pour ensuite proposer des recommandations visant à réduire les facteurs de risque modifiables. Et j'ai repris les conclusions. On a rapporté les chutes à des problèmes de genou droit arthrosique, enraidis avec un flessum. On a également souligné l'amyotrophie quadricipitale droite, les troubles de la statique rachidienne, l'hypoacousie bilatérale, une dyspnée d'origine respiratoire, mais le patient est connu asthmatique. Et on a également proposé une consultation ORL pour bilanter le déficit auditif. On sait que le déficit auditif constitue également un facteur de risque de chute. Et bien sûr, parmi les propositions, on a proposé une prise en charge rééducative. Mais finalement, ce n'est pas tellement dans cela dont je voulais vous parler. Et quel est, d'après vous, le diagnostic que je vais vous annoncer aussitôt après, que l'on pouvait évoquer chez ce patient? Bon, je ne m'attendais pas nécessairement. On veut un QCM, c'est pour ça. Hein.
Bon, et si je vous dis que dans mon histoire, je vous ai quand même parlé d'une asthénie, d'une anémie ferriprive, d'une ostéoporose, et je peux même ajouter, finalement, quand on poussait plus loin l'interrogatoire, que le patient avait des antécédents de diarrhée chronique, mais très variable, sans diagnostic étiologique. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Pas un Crohn? Un syndrome de malabsorption, je l'ai entendu, très bien. Et vous aurez le droit à un prix que va vous offrir ensuite le président de cette journée scientifique. Alors, qui a répondu bien, que je vois? Ah, c'est lui qui veut un cadeau, d'accord. On pense effectivement à un syndrome de malabsorption, il y a là quelques caractéristiques d'un syndrome de malabsorption, et notamment à une maladie cœliaque. Car cette maladie cœliaque, qui est une entéropathie inflammatoire chronique auto-immune, on peut la découvrir à tout âge, y compris chez le sujet âgé. Vous savez qu'elle est provoquée par une intolérance à un antigène alimentaire qui est la gliadine du gluten. La prévalence de la maladie cœliaque est très variable d'un pays à l'autre, pour des raisons encore mal connues. Ce n'est pas une maladie rare, puisque la prévalence est de l'ordre de 1 sur 100 à 1 sur 300 en Europe et aux États-Unis. Elle est plus fréquente chez la femme que chez l'homme, et on a deux pics de fréquence du diagnostic, l'enfance, le plus souvent entre 6 mois et 2 ans, après l'introduction du gluten alimentaire, ou à l'âge adulte, le plus souvent entre 20 et 40 ans, Et finalement, on sait que les formes à révélation tardive, après 65 ans, ne sont pas du tout exceptionnelles. Et donc, chez un patient qui vient vous voir pour chute, qui a des antécédents fracturaires, eh bien, vous pouvez avoir en tête la possibilité que ça puisse être un syndrome de malabsorption, et en particulier une maladie cœliaque. Dans la forme classique, les signes cliniques les plus fréquents sont l'asthénie, des douleurs abdominales et des diarrhées de type malabsorption avec stéatorrhée, amaigrissement et dénutrition, et puis les anomalies biologiques qu'on va observer traduisent la malabsorption du grêle, avec souvent une anémie associée à une carence en fer, en folate, en vitamine B12 ou en certains facteurs de coagulation, une hypoprotidémie avec hypoalbuminémie, une hypocalcémie, une hypomagnésémie, un déficit en zinc peuvent également s'observer. Chez l'adulte, on a finalement, surtout si on découvre assez tardivement la maladie, on peut avoir des formes plus atypiques, qui explique le retard au diagnostic. Et souvent, c'est devant une anémie ferriprive, voire une hyposidérémie isolée, qu'on pourra se poser la question, comme devant une ostéoporose idiopathique, associée ou non à des fractures. Mais on peut retrouver d'autres signes, comme une aphtose, des troubles menstruels, etc. En tout cas, l'ostéoporose, c'est donc finalement une entrée possible dans le diagnostic de syndrome de malabsorption et de maladie cœliaque. Le diagnostic ensuite de la maladie cœliaque, vous le savez probablement, repose sur des arguments sérologiques, histologiques et finalement sur l'efficacité de l'exclusion du gluten du régime alimentaire. Et on peut rechercher de nombreux anticorps dans la maladie cœliaque. Selon la Haute Autorité de Santé, les auto-anticorps qu'il faut rechercher, qui sont les plus fiables, ce sont les anticorps anti-endomysium, IgA et IgM, et les anti-transglutaminases, IgA. Lorsqu'on a des anticorps, on va ensuite faire la biopsie duodénale qui va poser le diagnostic en retrouvant l'atrophie villositaire associée à une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux. Il y a une hyperplasie des cryptes sur les biopsies duodénales. Alors, chez notre patient, eh bien, effectivement, on avait la présence des auto-anticorps, des anticorps anti-glutaminase positifs en IgA et en IgG. Par contre, on n'a pas retrouvé d'anticorps anti-endomysium à des taux significatifs. On a réalisé l'endoscopie digestive haute, qui montrait un duodénum d'aspect crénelé, et des biopsies ont été réalisées qui ont confirmé l'atrophie villositaire et le diagnostic. Or, ce n'est pas des images qui correspondent à notre patient, mais vous voyez à gauche, un duodénum d'aspect normal, et puis à droite, un duodénum avec un aspect d'atrophie villositaire. Et je vous mets aussi ici deux coupes qui montrent un aspect histologique d'une muqueuse duodénale normale à gauche et d'une atrophie villositaire à droite. Donc voilà encore un diagnostic finalement que l'on peut faire, que l'on peut être amené à faire. Et il y a assez peu de temps, on a fait une seconde fois, c'est pas si fréquent que ça, mais enfin, une seconde fois,
un diagnostic de maladie cœliaque chez un des patients qui était venu à la consultation de la chute. Enfin, le troisième cas clinique, je vous le dis jour par jour, je vous l'explique jour par jour. C'est l'histoire de Madame S, 83 ans, là encore je ne me trompe pas, qui vit seule à son domicile, elle est très aidée par ses deux filles. Samedi vers 18h, elle fait une chute, c'est possiblement une perte de connaissance. En tout cas, elle est incapable de se relever et elle reste à terre au moins une heure, mais probablement plus, jusqu'à l'arrivée de sa fille qui passe tous les soirs. Elle est alors transportée par les pompiers jusqu'à l'hôpital et là on constate que le poignet droit est fracturé. Le scanner cérébral qui est réalisé dans cet hôpital de proximité est normal et on fait également un ECG qui montre un susdécalage du segment ST et la troponine aussi est un peu élevée. La question évidemment est celle d'un infarctus du myocarde et un traitement. En fait, le médecin de l'hôpital local appelle le service de cardiologie du grand hôpital référent et on introduit un traitement par HBPM et double anti-irrigation plaquettaire. Ça, c'est le samedi soir, vers 18h. La patiente reste quand même un certain temps aux urgences, puisque c'est seulement le lendemain matin à 5h, c'est la vraie vie, qu'elle est transférée vers l'hôpital de la grande ville voisine, vers l'unité de soins intensifs cardiologiques. Mais pour aller plus vite, on l'emmène en hélicoptère. Ça a permis de rattraper... Bon, en tout cas, on en profite pour perdre les prothèses auditives. Je ne sais pas si elles sont tombées de l'hélicoptère, mais elles ont été perdues dans le transfert. On réalise à ce moment-là, dans l'unité de soins intensifs cardiologiques, une échographie cardiaque, un nouvel électrocardiogramme. Et finalement, le diagnostic d'infarctus du myocarde n'est pas retenu par le cardiologue. Et on retient le diagnostic de maladie de... Ça commence par un T. Ça commence par un T. Exactement. Du coup, je vais y revenir évidemment, le traitement est poursuivi à l'identique et la coronarographie n'est pas faite dans l'immédiat et rapportée au lendemain matin. C'est donc effectivement un Takotsubo qui a été évoqué par le médecin. Alors, je vous ai mis ici l'électrocardiogramme où on observe un susdécalage du segment ST dans les dérivations, dans de nombreuses dérivations en fait en précordial. Et puis vous voyez aussi l'échographie qui est assez typique, alors peut-être qu'Olivier pourrait mieux la commenter que moi, mais avec un aspect de ballonisation du ventricule gauche qui est très évocateur de cette akinésie de la pointe ventriculaire gauche, comme on l'observe dans le Takotsubo. Alors je vais revenir sur le Takotsubo, mais puisque je n'ai pas encore tout à fait mangé mon temps, je vais quand même vous raconter la suite de l'histoire de la dame, parce qu'elle est intéressante à entendre. Alors, on en est dimanche. Dimanche soir, la patiente est très agitée. Elle crie, elle insulte le personnel, elle jette son verre à terre, elle sonne à de multiples reprises, elle est désorientée, son discours est incohérent, bref, elle emmerde tout le service. Du coup, on appelle le cardiologue de garde qui prescrit du tranxène 50 mg en IV lente. La voisine de chambre continue de se plaindre et à 23h, la patiente toujours aussi agitée tombe de son lit en voulant aller aux toilettes. Du coup, le cardiologue est rappelé et il prescrit 10 gouttes d'aldol, 1 mg, et la mise en place de contentions physiques au lit par ceinture abdominale et des barrières de lit, plus des attaches de cheville, pourquoi pas. Le soir, on fait quand même la prémédication en vue de la coronarographie prévue le lundi, à savoir de l'Atarax 100 mg et de l'Hypnovel 2,5 mg le lundi matin par voie sublinguale. C'est quel hôpital ça? Je ne dirais pas l'hôpital. Mais ça reste encore la vraie vie. Enfin bref, vous le voyez, elle a eu quand même tranxène, aldol, Atarax, Hypnovel. Le lundi matin, vous vous en doutez bien, la patiente est un peu hypovigilante. Après sa chute, elle a un gros hématome au niveau de la hanche gauche, mais heureusement, rien de cassé sur la radiographie. Elle ne boit ni ne mange plus rien. Et sa fille, qui est, il faut le savoir, aide-soignante en gériatrie, pas dans le même hôpital, est très inquiète car elle ne l'a jamais vue ainsi. Elle signale également des troubles de déglutition et la patiente est tellement mal, on décide de ne pas faire la coronarographie ce jour-là.
L'hématome s'étend, du coup on diminue le Lovenox pour revenir à une dose isocoagulante, puisqu'elle était à dose hypocoagulante du fait de sa pathologie cardiaque. Et les traitements psychotropes, c'est une bonne idée, sont arrêtés, sauf néanmoins l'imovane qu'on maintient. Le mardi, elle ne va pas mieux, elle est extrêmement fluctuante, elle est très encombrée sur le plan respiratoire, elle a de la fièvre, elle est mise sous antibiotiques. Bon, vous vous doutez bien, elle a fait un état confusionnel aigu, elle avait quand même beaucoup de raisons de faire un état confusionnel aigu, et peut-être que son traitement n'a pas été parfait. Dans les suites, les choses vont petit à petit mieux. La patiente reste fluctuante, l'hématome est stable, sa fille demande qu'on la détache lorsqu'elle est présente, et le jeudi, pour la première fois, elle est mise au fauteuil. Malheureusement, vendredi matin, elle installe brutalement un déficit hémicorporel gauche. L'IRM confirme qu'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Elle sera prise rapidement en unité de soins intensifs neurovasculaires, sera thrombolysée avec une bonne récupération de son accident vasculaire cérébral. Bref, je voulais vous raconter l'histoire jusqu'au bout d'une belle cascade gériatrique en cardiologie. L'équipe mobile de gériatrie, d'ailleurs, n'a pas été sollicitée. Alors je vais, puisque finalement ce n'était pas le but de vous raconter cette histoire, mais instructive, mais on en rencontre assez souvent de ces histoires-là, je voudrais revenir sur la maladie de Takotsubo, qui est donc une cardiopathie de stress, c'est ainsi qu'on peut l'appeler aussi. On la dénomme quelquefois myocardite adrénergique, ou aussi syndrome du cœur brisé, c'est plus joli. Elle frappe surtout la femme et surtout la femme post-ménopausée. Donc on peut tout à fait être concerné par cette maladie de Takotsubo. Et typiquement, l'événement cardiaque survient après un stress émotionnel intense. Et ici, le stress émotionnel, c'est la chute, la station prolongée au sol. Bon, après, le transport en hélicoptère, ça a peut-être ajouté du stress, mais le Takotsubo était avant déjà installé. Les manifestations cliniques, c'est une douleur thoracique, habituellement, et c'est donc un diagnostic différentiel du syndrome coronarien aigu. Souvent, mais pas constamment, il y a une dyspnée. Il peut y avoir des palpitations, une lipotymie, une syncope, et dans des formes graves, on peut avoir un retentissement cardiaque important du fait de l'atteinte de la fonction du ventricule gauche et un choc cardiogénique. Sur le plan biologique, on a très souvent une augmentation du BNP, et également une augmentation des troponines et des CKMB. Mais un truc qui est évocateur, c'est que l'élévation des troponines est généralement inférieure à ce qu'on peut attendre du fait des lésions observées sur l'électrocardiogramme. Dans la physiopathologie, il y a certainement un rôle important joué par les concentrations circulantes de catécholamine sur l'endocarde, qui est à l'origine d'une sidération du ventricule gauche, caractéristique donc de la maladie, par l'intermédiaire peut-être, car là ça n'est pas clair, d'un spasme microvasculaire diffus ou peut-être de microembole. Dans les examens complémentaires, il y a bien sûr l'ECG, il y a bien sûr l'échocardiographie, il y a aussi certainement l'IRM, qui dès le stade précoce amène des éléments importants, notamment pour faire le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies qui pourraient tout à fait donner les mêmes manifestations, mais également pour apporter des éléments complémentaires sur les atteintes sur certaines atteintes pleurales ou du cœur, en particulier péricardique. L'IRM peut aussi d'ailleurs avoir un intérêt dans le suivi et volontiers on propose de la renouveler 1 à 3 mois plus tard, si initialement existent des anomalies. Quel est le traitement de cette maladie qui, dans la forme habituelle, va être réversible, c'est-à-dire qu'après un certain nombre de semaines, en général moins de 3 mois, on va revenir à l'état antérieur avec une récupération de la fonction VG, eh bien, la prise en charge, elle doit se faire en unité de soins intensifs cardiologiques. Au départ, le traitement, c'est le traitement standard du syndrome coronarien aigu, avec une double antiagrégation plaquettaire et une anticoagulation initiale. Et puis, bien sûr, la prise en charge des complications, qui peuvent être des troubles du rythme ou un retentissement majeur sur la fonction VG, avec un OAP possiblement, ou un choc cardiogénique plus rarement. Et puis, secondairement, la prise en charge, c'est la prise en charge d'une dysfonction ventriculaire gauche avec la place des IEC, des bêta-bloquants, plus ou moins des diurétiques selon la surcharge hydrosodée, qu'on va maintenir en fait en fonction de l'évolution jusqu'à normalisation de la fonction VG et de l'ECG. Je vous ai dit qu'habituellement, cette normalisation intervenait dans les 3 mois. Quant à l'antiagrégation plaquettaire, il est souvent recommandé de la laisser jusqu'à confirmation
à l'IRM qu'il n'y a pas d'atteinte coronaire et donc pas de raison de maintenir un traitement anti-agrégant. Alors, pour vous montrer que cette maladie de Takotsubo n'est pas si rare chez des chuteurs, je vous présente ici le résultat d'une étude qu'on avait réalisée à Lille avec nos collègues urgentistes et cardiologues et qu'on a publiée en 2010, qui intéressait 60 patients consécutifs hospitalisés aux urgences après une chute avec une station au sol de plus d'une heure. La moyenne d'âge des patients était de 81 ans. 40 patients avaient une élévation des troponines, souvent pas très importante. Et en fin de compte, un diagnostic de Takotsubo avait été posé chez 6 patients, donc chez 10% de ces patients. Donc vous voyez que ça n'est pas quelque chose de si rare. Voilà ce que je voulais vous montrer. 3 diagnostics qui ne sont pas si rares que cela, auxquels il faut savoir penser quand les circonstances sont évocatrices. Le tremblement orthostatique primaire, la maladie cœliaque et la maladie de Takotsubo. Puis juste pour conclure, mais vous le savez bien, que derrière une chute, on peut tout trouver. Et ça fait finalement l'intérêt de la prise en charge du sujet âgé chuteur pour le clinicien. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de ces 3 belles observations. Y a-t-il des questions dans la salle ? Il y a un truc que vous ne savez pas, c'est que le professeur Puisieux, il a intégré maintenant le CNU de médecine interne gériatrique. Et donc c'est quand même des observations de médecine interne. Hein. Oui, bien sûr. Gériatrique.